Oh putain. Du métal. Terminé la partie métallique de l'établi.
Donc il me manque encore les tiroirs que je vais faire en tôle mais un peu plus tard. J'ai rajouté, donc je vais vous montrer, j'ai rajouté des pattes pour fixer le plateau du dessus. Voilà. Donc c'est de la cornière, hein, tout simplement. J'ai rajouté des portes-outils, donc voilà, des bouts de tube coupés, un support de meuleuse. Voilà, quelques accessoires. Voilà, je vais m'attaquer à la construction du plateau de l'établi, du plan de travail, on va dire. Je vais utiliser cette planche, une planche de 5 mètres, coupée en 3 fois 150 cm. Donc voilà, on passe à la découpe et au collage. Terminé. Pour le plateau, j'ai juste passé une petite couche d'huile de lin pour protéger un peu le bois. Voilà, pour les tiroirs, c'est très simple, il n'y a pas de rail comme dans les cuisines. En même temps, c'est pour l'atelier, donc voilà. Ça ira très bien comme ça. Voilà, je vais pouvoir ranger pas mal de choses là-dedans. Hop! Alors ici j'ai récupéré toutes les planches qui traînaient dans l'atelier pour me faire un petit plateau. Voilà. Alors pour les côtés c'est du médium, planche de médium de 10 mm. Pour ce côté-ci et voilà et celui-là.
Alors pour la hauteur d'établi, ça se calcule avec les taux. Donc il faut que le coude soit au niveau de la hauteur de. Pour que ce soit à hauteur des taux. Voilà, donc à peu près comme ça. De façon à pouvoir travailler sur les taux sans lever les bras ou voilà, dans une position agréable. Bah, si ça vous intéresse, je vous laisse également les plans 3D dans la description. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et partager la vidéo et laisser un commentaire pour vous dire ce que vous en pensez. Je reste avec des petites images de mobilette. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Ça n'arrête plus, hein? Il en a marre.